Yo family, on se retrouve dans ces petits vlogs. Je vous amène au cœur de l'action, à savoir pendant cette période de grand froid où il y a la neige partout carrément. Il y a quelques activités qui en découlent carrément, hein, du fait de rester chez soi, d'être toujours dans des endroits un tout petit peu chauds. Et ben, il y a le sport, il y a le théâtre, il y a des spectacles, on va dire pêle-mêle. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous emmène carrément dans le cœur du spectacle, dans un complexe sportif, pour passer un moment ensemble avec vous et suivre un match de basket. Je vous emmène au cœur de l'action. Let's fucking go! La famille, je suis déjà dans l'enceinte, hein, et ben masque oblige, et ben comme j'ai déjà mon billet, je vais devoir chercher simplement mon secteur et puis ce sera parfait. Donc voilà le billet. Des effigies carrément de l'équipe, il y a un peu de tout ici. C'est merveilleux. Bravo! C'est dans le vieux qui dansait là. Nous allons nous faire photographier avec eux. Et puis voilà, c'est un moment unique carrément. Давайте еще раз, как вы хотите, много раз можно. Давайте, давайте. Les dernières secondes carrément du match, donc voilà. C'est la fin du match family, donc tout est bon, le score est de 83-66 carrément.
Donc Unix remporte le match, ce qui est normal. C'est à quoi je m'attendais d'ailleurs. La famille, c'est au sortir de ces complexes sportifs, hein, j'ai envie de dire. Le match a été exceptionnel, exceptionnel. J'y ai passé un excellent moment, ce qui est normal d'ailleurs. Et au fait, comme je vous l'ai dit, hein, pendant cette période des grands froids, assez de personnes hein, se rendent certainement au ski. Ceux-là qui n'ont pas assez de moyens préfèrent théâtre, opéra, complexe sportif. Bon, ça dépend. Et moi aujourd'hui, j'ai simplement choisi de venir ici, là, dans ces complexes et suivre le match tout calmement, tout bonnement. Quoi de plus normal d'ailleurs. Donc voilà. En espérant que vous avez passé un bon moment avec moi, puisque le stade est juste là derrière. Et ben écoutez, on se revoit certainement dans une nouvelle vidéo, soit dans un prochain live. Ciao.